pourrais vous parler des rapports entre l'astrologie et l'histoire. Je crois que là, il y a un malentendu. L'astrologie n'est pas compatible avec la démarche historique. Elle est en revanche avec la démarche sociologique. Parce que la sociologie est l'étude de constantes. Et les constantes, par définition, sont vouées à revenir périodiquement, à se reproduire périodiquement. Effectivement, une compatibilité épistémologique entre l'astrologie et la sociologie. D'ailleurs, à mon avis, la sociologie est vouée, au cours des prochaines décennies, à intégrer une certaine forme d'astrologie. Je ne dis pas la forme d'astrologie du thème natal, mais justement, une certaine forme d'astrologie mondiale. Le problème, c'est qu'effectivement, l'astrologie mondiale s'est trop longtemps orientée vers l'histoire. La preuve en est, en 1967, il y a donc 50 ans dans quelques semaines, la parution chez Jean-Jacques Pauvert de l'ouvrage d'André Barbeau, Les astres et l'histoire. Tout dire. Et il y a là un problème, parce que l'histoire, si on la définit clairement face à la sociologie, c'est justement quelque chose d'extrêmement aléatoire. C'est la part de liberté qu'a l'homme de dire ce qu'il veut et de faire ce qu'il veut. Part d'ailleurs qui est, jusqu'à un certain point, limitée. Donc, l'histoire, c'est la superstructure, en quelque sorte, de la sociologie. Quelque chose qui se construit par-dessus la sociologie. Et d'ailleurs, d'une certaine manière, je dirais que la sociologie est féminine et l'histoire est masculine. Ce qui donne le beau rôle, quelque part, à la sociologie, puisque la sociologie, c'est la base. C'est-à-dire les nouveaux historiens, la nouvelle histoire, les annales, les années 30, avec notamment Marc Bloch, avaient conscience que l'histoire devait se reposer sur un socle qui est celui des sciences sociales, et notamment de la sociologie, de la démographie, éventuellement de la météorologie, etc. Donc, vouloir appréhender le cours de l'histoire au prisme de l'astrologie, en tout cas de l'astrologie mondiale, me paraît très discutable. A contrario, paradoxalement, d'ailleurs, la divination correspondrait mieux au champ de l'histoire. La mancie, et même l'astromancie, conviendrait mieux au champ de l'histoire. Mais dès lors qu'on est dans une systémique, comme le voudrait André Barbeau avec ses schémas, on n'a pas vocation à appréhender l'histoire, on a vocation à appréhender la sociologie. Effectivement, on ne peut pas séparer si clairement la sociologie de l'histoire, puisque l'histoire englobe la sociologie et la déborde très largement. Mais il faut quand même, quand on travaille dans le domaine de la sociologie mondiale, et qu'on est d'accord sur l'idée que l'astrologie ne peut appréhender que la dimension sociologique de l'histoire, si on veut, ce qu'on pourrait appeler la socio-histoire, il faut déterminer quel est ce champ de la sociologie qui sous-tend justement le phénomène historique. Alors, on pourrait répondre de manière assez comme ça, cavalière, que relève de l'astrologie ce qui dans l'histoire s'explique par l'astrologie. Mais ça voudrait dire aussi que tout ne s'explique pas par l'astrologie. Et moi-même qui suis historien et qui me vante de l'être, et pas seulement sociologue, et pas d'abord sociologue, je suis capable justement de montrer toute la dimension aléatoire des choses, toute la créativité
qui vient occulter notre perception des choses. Tous les discours qui viennent faire écran avec notre perception des choses. Et tout ce qui est fait écran à la réalité sociologique est quelque chose qui peut nous égarer et qui peut nous emmener dans des perceptions erronées des phénomènes. Donc l'histoire, quelque part, elle vient fausser notre perception de la sociologie. Elle est un commentaire, si on peut dire, dans tous les sens du terme, de ce qui se passe au niveau de nos sociétés, commentaire dans le sens, non seulement c'est un discours, mais c'est aussi une réalité qui se greffe. Et un commentaire, c'est quelque chose qui se greffe. Donc en ce sens-là, elle est un commentaire de la sociologie. Alors, ce qui me paraît propre à la sociologie, c'est la dimension systémique. Donc on ne peut pas dire que l'histoire est systémique. Elle n'est systémique que par sa dimension sociologique. C'est-à-dire sa dimension répétitive. Cette dimension passe par des périodes, des phases, des stades. Donc par un processus de série, de succession, de suite. Toute approche purement ponctuelle ne peut être qu'historique. Toute approche cyclique ne peut être que sociologique. Alors, ça simplifie les choses. Parce que l'astrologie mondiale, si elle se focalise, comme elle doit le faire, à mon avis, sur la sociologie, n'aura pas de problème à formuler ses prévisions, puisque ce sont toujours les mêmes phénomènes qui se reproduiront. Ce que j'appelle l'objet prédéterminé de l'astrologie. On sait ce qu'elle va étudier. Elle va étudier le mode de fonctionnement des sociétés. Ce mode de fonctionnement des sociétés, il a toujours existé, il a toujours été le même depuis toujours. C'est pas compliqué. A contrario, si l'astrologie entend étudier une sorte de modernité, elle fait fausse route. La sociologie, par définition, ne se prête pas à la modernité en tant que science. Maintenant, on peut faire de la sociologie de telle et telle époque. Mais pour moi, ce n'est pas la sociologie fondamentale. C'est une sociologie, disons, qui se rapproche plutôt du journalisme ou de l'histoire immédiate, avec tous les risques que ça représente. Donc, le modèle universel que préconise le Barbeau, non seulement je conteste dans sa composition, c'est-à-dire dans les éléments dont on se sert, à savoir notamment la question de regrouper des planètes entre Jupiter et Pluton, qui à mon avis n'a aucun sens. Jupiter et Saturne sont des planètes connues de l'Antiquité, Uranus et Neptune, on les a découvertes au 18e ou 19e siècle, quant à Pluton, on sait qu'on ne sait pas très bien ce qu'on doit en faire. Bon. Alors, nous avons là un modèle, en tout cas, sur le plan conceptuel, qui est intéressant, et qui pourrait correspondre à une démarche sociologique, mais malheureusement, en plus de cela, il veut expliquer des phénomènes qui ne sont pas d'ordre sociologique. Et c'est pour ça qu'André Barbeau, quand il faisait en 1953-54 une projection à 36 ans d'avance, ça ne pouvait faire sens qu'au regard de la sociologie. Parce que la sociologie, elle peut effectivement faire des prévisions à un ou deux ou mille siècles, si on admet que l'humanité reste plus ou moins ce qu'elle était, ou ce qu'elle aura été. En revanche, faire des prévisions d'ordre historique, c'est complètement absurde. C'est absurde. On ne peut le faire que dans une configuration extrêmement proche. C'est-à-dire, on peut faire des prévisions à ce niveau-là, non historique, que à très très court terme.
Donc, une astrologie historique qui prévoirait 36 ans à l'avance ce qui se produit en 1989, c'est une absurdité. Je suis d'accord là-dessus. Et donc, ça, le résultat, s'il est concluant, ne peut être que le résultat d'une coïncidence qui peut se produire, parce que au même moment, il peut y avoir d'autres choses qui peuvent intervenir. Mais, en tout état de cause, il s'agit en sociologie d'événements toujours plus ou moins banals. Ils sont banals. L'astrologie ne peut pas dire s'ils ne seront banals ou pas. Ils sont banals. Et c'est l'histoire qui peut conférer à un rendez-vous parmi d'autres une dimension extraordinaire. Ce n'est pas le modèle lui-même qui va vous dire s'il va se passer des choses extraordinaires ou mémorables. Le modèle nous dira, voilà, à telle époque, il y aura un certain type de problème qui va se poser et qui se repose tous les X années. Maintenant, affirmer que à telle configuration parmi tant d'autres qui se suivent et qui sont du même ordre, donnera des résultats extraordinaires, c'est impossible. Et ce qu'on peut reprocher à André Barbeau, c'est d'avoir formulé au début des années 50, à la veille de la mort de Staline, en 1954, une prévision qu'il n'a absolument pas retravaillée par la suite. Et à mon avis, très franchement, qu'il avait abandonné et qu'il n'a reprise que parce que ça l'arrangeait. Parce que ça arrangeait les astrologues qui la reprennent, puisque c'était une façon de valider l'astrologie, si on peut dire. En réalité, il l'avait abandonné. Il l'avait abandonné au profit de production qu'il a faite dans les années 60, la crise mondiale de 65, et puis l'astrohistoire en 67. Donc c'était déjà dans les tiroirs, c'était dans les poubelles. Mais à partir du moment où en 89 s'est passé des choses remarquables, on ne pouvait pas résister au plaisir de dire bah oui, mais dès 36 ans avant, ça avait déjà été annoncé. Non, on ne peut pas jouer avec ça. L'histoire n'est pas prévisible. Dans ce sens-là, l'histoire ne peut pas être une science. Exactement, c'est une méthodologie. Moi, j'ai la conscience de faire preuve de méthodologie, une méthodologie qui permet une archéologie. De toute façon, la notion de science est une notion très général, bon. Mais au sens d'une science rigoureuse et systématique, l'histoire n'est pas une science. Non, moi je considère que je fais œuvre scientifique en travaillant sur les éditions de Nostradamus, par exemple. Bon. Mais c'est une autre façon de parler. Un historien fait un travail rigoureux quand il est capable, je ne parle même pas de prévision en l'occurrence, le rôle de l'historien n'est pas de faire des prévisions, c'est le rôle du sociologue. Le sociologue ne fait que prévoir ce qui a déjà existé. Il peut effectivement appréhender le passé, parce qu'en fin de compte, pour moi, le sociologue peut se projeter sur l'avenir, et l'astrologue et l'historien peut se projeter sur le passé, si on veut, d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'il peut creuser le passé et reconstituer, au moyen de certaines traces, de bribes, ce qui a pu se produire il y a tant et tant d'années. Et ça, on se trouve là en face de deux infinis, le passé et le futur, qui dans les deux cas sont toujours perçus comme des choses extrêmement mystérieuses et impénétrables. Le sociologue va pouvoir décrire une situation à venir, et en ce sens-là, ça se prête à la prévision, et donc à l'astrologie, et l'historien, lui, va pouvoir à partir des bribes, à partir des vestiges, à partir des ruines de ce qui nous est parvenu, il va pouvoir reconstituer, un peu comme Cuvier avec ses squelettes, le passé. Pour l'homme moyen, ce sont des tâches inaccessibles. Il est presque impossible de savoir ce qui va se passer d'après l'homme de la rue, et il est encore moins possible de savoir comment les choses ont commencé. Donc, effectivement, le sociologue et l'historien sont des gens qui ont les clés du temps, en quelque sorte. Du temps à venir et du temps passé. Parce que la sociologie n'est intéressante, finalement, que, enfin, j'exagère un petit peu, mais elle est intéressante surtout parce qu'elle peut prévoir.
la vocation à prévoir, à condition qu'elle intègre les problèmes de psychologie dans son fonctionnement. Donc il y a une espèce de système à trois étages. L'histoire a besoin de sociologie, et l'astrologie, et la sociologie a besoin de l'astrologie. Du moins tel que moi, j'en ai fait. Voilà comment ça doit se passer, et ça c'est en réponse à Marc Bloch, dans les années 30, et quelques autres. C'est un système ternaire, car si l'astrologie ne peut pas féconder la sociologie, la sociologie aura beaucoup de mal à féconder l'histoire. Donc c'est une espèce de cercle, soit un cercle vicieux de l'échec, soit un cercle heureux du succès.